tous en a confiance belé na justice na biso parce que une fois avant procès oyo ya ba nyangalakata oyo ya New Zaire o bazalaki conduit par le défunt Christian Malanga to monaki l'un des mercenaires ya ba étranger ba ba limité intérêt national ya Congo na kombo ya monsieur Mwanga Chuchu to monaki justice militaire tango a se saisira ki na dossier ya monsieur Mwanga Chuchu et nous étions plus que contents biso ba congolais nyonso parce que Mwanga Chuchu azalaki parmi baye ba détruira ki mboka oyo les gens qui ont mis le Congo à terre na ba or na biso kuna na est de la République oyo bandako bi mana masisi sans aucun contrôle ya ba structure étatique donc lelo tozane sengo makasi. Parce que sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, justice en tout cas, attaque est sali à 100% Oyo et Ali équité, mais à un plus grand pourcentage de justice congolaise et s'améliorer. Il y a beaucoup de preuves autocopées dans ce sens-là. Mais procès Oyo Salema, le procès qui est en cours, en rapport à coup d'État, il y a Boutou, il y a 18, il y a 19, Oyo Ezala qui est orchestré par M. Malanga, de mauvaises mémoires, ou assis à Koufi, tout ça n'a espoir, n'a justice, n'a biso, parce que en cette matière-là, justice militaire a aussi la bajeté. Justice militaire a aussi la bajeté. Salomo Kalonda, il dit à Kéi qu'il se faire soigner, il a retourné à Kinshasa, du haut qui qu'il a validé le mandat en tant que sénateur. Est-ce que Marambo Salomo Kalonda, et si la terre qui n'a juste à quai des poissons, a eu Rosonga, et puis Rosonga, et que notre justice en gros, c'est toujours la même? Ndeko journaliste, justice, toza na se, principe ya séparation de pouvoir. Baye batanga mingi baye bi plus ke ngai makamu na olinga na loba. Oyo Montesquieu a merci, chers internautes, merci à la bande de Rognon, surtout à la bande de Mboka Joué de Castro. Et merci à la bande Ituri, merci à la bande Bounia, merci à la bande ya Congo Central, partout, bisika ba Congo Mani, surtout aux amis, Bambo Tsebele Bele, la paix sumino Bambo Tsebele Bele, et à commencer par Yemey Rufin Kisombe, Nabosani Tse Papi Kelly, ainsi que la bâton, surtout, Balinga chaîne Tindika Tindika. Voilà. Et Boebi, tentative à coup d'état, Outaïko Salema, vraiment, l'État congolais a chaki maboko na bateau ba rosa la coup d'État et puis boyebi guerre a imposé juste injuste na République na SRP démocratie du Congo le lo oyo Kagame a commis kolela parce que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a bimisi mutakala ya Kagame na misu ya bateau le lo oyo Kagame a koloba ke non il est abandonné par les occidentaux il peut jamais continuer à soutenir M23 et aussi il dit que non, bah, officier n'y a surtout au Bazali, Nangambo y a M23, tous les officiers congolais au Bazali Nangambo y a M23, il faut pas bomba bango, raison pour laquelle bon moni bah, officier Moussouba Kimi Nangambo y a Burundi, juste pour Nako Kima, Nenge, Paul Kagame, Ako Kanda, Aboma Bango. Voilà, c'est un peu ça, tant que l'Oba Keno, Fachi, Azali, Azali, miracle, Oyo Nzambe, l'Obara Keno, après 4e président, 5e président, il y a Rosala Mwanambo et puis il y a Moutinda Miyankolo. Il y a un autre homme qui a Fachi, on a vu la gratuité de l'enseignement, on a vu la gratuité de la maternité, on a vu aussi la redynamisation, il y a FRDC, il y a Armée Nabiso, on a vu aussi sur le balai diplomatique, Mboka et Fungwami sur le plan diplomatique, raison pour laquelle le loyo Tcha Paul Kagame à genoux et qu'on mette Paul Kagame à genoux. Le loyo Melamino Mwanamboka. Fabrice, ce n'est plus à présenter. Boebi est très bien. Ndeko Poussana, Boebi est très bien. Bonjour mon frère. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Kimi Ezali Ndeko Nangai. Kimi Ezali, guerre ya SR République démocratique du Congo. Toko Tara Mbalamo na ben. Guerre ya SR République démocratique du Congo. Kota la lelo ba avancé oyo FRD Sazo Sana ba Wazalendo. Et puis kota la peli susu. Lelo Paul Kagame et Akole Lakeno. Diplomatie agissante, moi, en Boka Félix Antoine Tshisekedi et chez Paul Kagame à genoux. Merci pour la parole au Pessinga, na Mutuna. Vraiment, biso ba communicateur et puis ba parlementaire de Bouya parti na biso et surtout ba congolais, tozane sengo makasi. Parce qu'avant, à cause de la membre du parti politique, on est d'abord avant tout congolais. Voilà. Donc, congolais en général,
anesengo makasi pona musala oyo mokonzi ya mboka aosalela biso na est de la République. Coup de chapeau na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Coup de chapeau na bakonzi nyonso tout ya FARDC. Coup de chapeau na bana mboka ba wazalendo oyo bandimaki otobengi mobilisation générale telle que lancée dernièrement par les chefs de l'État. Tango monaki ke mboka ezalaki menacé et que il fallait que ba congolais ba telema en vertu de l'article 63 et 64 de la constitution oyo lobi ke bana mboka il faut ba telema toute prise ya pouvoir par la voie ya Minduki topé ya rébellion. Donc les Congolais étaient vraiment mobilisés le long de tokomi ko mona bambuma oyo to mona na terrain vraiment ndenge armée na biso ba frapper ba rebelle coalition M23 AFC ya Corneille Nanga na RDF armée rwandaise ba frapper bango na Kanyabayonga. C'était depuis la semaine passée, le loto comptait plus de 10 jours. Cité ya Kanyabayonga est toujours na maboko ya ba force ya force régulière ya mboka na biso, c'est-à-dire FARDC na wazalendo. Et aujourd'hui na tongwa lelo vendredi na pesi FARDC félicitations. Ba kay même plus loin parce que dans les jours passés to bandai koloba, mais pourquoi FARDC oyo a komikaka à la défensive, il faut kaka aze la ba takeye pour a répliquer. Mais tout royo FARDC a sepeli si bana mboka ye moko abandi ko attaquer. FARDC a longoli système ya défensive a komina offensive na mukolo ya lelo à plus de 10 km ya cité ya Sake ya Kanyabayonga pardon, we za na contrôle ya armée na biso armée régulière le loto compte plus de 10 jours na cité ya Bilindi to moni na tongwa lelo vendredi. FARDC, non, Makambo Asali, c'est du jamais vu. FARDC a koti na 10 km wana na cité oya Bilindi a frappé makasi coalition ona uti kotanga awa, c'est-à-dire M23, AFC ya Corneille Nanga, Alliance Fleuve Congo na RDF oezali armée rwandaise. Na minute on denga to loba bilan humain eza nanu établité, mais ba rebelle wana nyonso to tangi tout ba coalition wana ba kimi ebele ba kufi, mais ba o baza survivant ba kei dans tous les sens. On ne sait pas encore établir le bilan. Nous félicitons vraiment cette manière ya ko gérer mboka et ya ko impulser na ko propulser armée na biso, parce que il n'y a que cette armée ndenge tolobaka ngo mikolo nyonso, il n'y a que l'armée congolaise o ko libérer mboka na biso totalement. Toboyi ba coopération sous régionalité, on n'a pas refusé. Toboyi ba position ou boyi ba coopération régionale, mais to moni Sadek pas ali kuna yango ne na oloba au-delà ya ba accords régionaux to internationaux, on n'est pas vraiment du tout contre to boyango à 100%, mais elikia selon constitution na biso et reconnaître qu'il n'y a que la FARDC o azali na capacité ou bien na charge ya ko défendre intégrité ya territoire mobimba. Donc coup de chapeau en cette matière, parce que une fois de plus FARDC à la question que c'est une armée professionnelle, parce que FARDC autant en lelo et za FARDC à Kalate, on nous avait laissé une FARDC au ezala qui passoir, une FARDC ya mixage ya brassage entre anciens rebelles, ceux qui ont été au Bundi au bomi 200 congolais au bomi 500 congolais au komi congolais, après au yeo négocier na Kinshasa à côté sibino na armée, et puis avec les mêmes grades au bozala qui na ngotan bozala qui ba rebelle. Mais cette fois-ci il y a un vent nouveau qui est en train de souffler sur l'ensemble du territoire national et principalement na kati ya armée nde ba résultat au to mona. Tant que toi qui Paul Kagame a commis colère, non, c'est parce que Fatih a osala musala. Donc, Makambwebele, le problème c'est quoi? Bokolandango na ba médias internationaux te, bakoye bisayo te réalité sur place. Ba médias internationaux ba zelaka par hasard, ceux qui M23 a eu à ta contrôle et à territoire moko pour ba monter au créneau. Ba belle la mokili mobimba e yoka. Mais tant que FARDC a osala ba miracle, auto bengi na Swahili maajabu, o bazo sala na est. Mutu ata moko solo bayango te. Il faut biso to lo bayango parce que tozaka na Congo oyo biso to na pays mususu te ke non to kende ko se réfugier kuna so ki e India. Nous nous sommes ici so ki liwa e kokuta biso kaka na mboka ya Patrice Emery Lumumba oyo, parce que to botama awa tozana ba origine nyonso tout awa. Donc
coup de chapeau na FARDC. Voilà, coup de chapeau na FARDC et le oyo aventure topé scénario oyo Christian Malanga a amené na bande naye, c'est regrettable de voir que non bato musu suba ko samba ba lo bakeno ba musu ba zoki ba ona bilanga ba musu ba zoki ba ona nzela le lo oyo chance ni ozope sa na justice congolais topé justice militaire ndenge ba ko sambisa ba brigand topé ba saien oyo ya New Zaïre. Tozana confiance belé na justice na biso parce que une fois avant procès oyo ya ba Nyangalakata oyo ya New Zaïre o bazalaki conduit par le défunt Christian Malanga to monaki l'un des mercenaires ya ba étranger ba ebalingité intérêt national ya Congo na kombo ya monsieur Mwanga Chuchu to monaki justice militaire tango a se saisira ki na dossier ya monsieur Mwanga Chuchu et nous étions plus que contents biso ba congolais nyonso parce que Mwanga Chuchu azalaki parmi baye ba détruira ki mboka oyo les gens qui ont mis le Congo à terre na ba or na biso kuna na est de la république oyo bandako bimana masisi sans aucun contrôle ya ba structure étatique donc lelo tozane sengo makasi parce que sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo justice en tout cas atako esali à 100% oyo ezali équité mais à un plus grand pourcentage de justice congolaise et s'améliorer. Il y a beaucoup de preuves autocopées dans ce sens-là. Mais procès Oezo Salema, le procès qui est en cours en rapport à coup d'état il y a Boutou il y a 18 na 19 Oezala qui orchestré par M. Malanga de mauvaises mémoires au assis à Koufi. Tozan na espoir na justice na biso parce que en cette matière la justice militaire a osa la bajete. Tomoni justice militaire a osa la bajete. Salomo Kalonda il dit a kei ko se faire soigner, il a retourné à Kinshasa du otema ki ko valider mandat na tant que sénateur. Est-ce que marambo Salomo Kalonda et si la terre kenda juste à quai des poissons ayo kozonga et puis ozomo ante que non justice en gros c'est toujours la même. Ndeko journaliste justice toza na ce principe ya séparation de pouvoir ba yebatanga mingi ba yebi plus que ngai makamu na olinga na loba oyo Montesquieu atikela biso toza na pouvoir législatif toza na pouvoir exécutif toza na pouvoir judiciaire pouvoir nyonso wana e fonctionnaka na autonomie na yango et puis na indépendance na yango ngai nazana capacité à interférer dans le dossier judiciaire. Mais en ce que je sache, tous les justice sont différentes dans la justice. Dans mon mandat, Salomo Kalonda Escadela, qui a été élu le sénateur Kuna na Katanga, va valider Yango. Et na yoki Salomo Alobi, non, tout le monde a été malade malgré tout ce qui venait d'être fait, mais aza malade, il faut que nous rendions la santé. La même justice ne ekangaki Salomo Kalonda Escadela. Na makambo biso nyonso toyebi. Et c'est la justice de notre pays. Il faut tozala na confiance na justice wana. Ce qui même justice est trouvé, topé et jugé bon, il y a qu'on relâche nanu. Nous ne pouvons que nous incliner devant la décision de la justice. Leur mandat na union sotumi balais a déjà validé et au comme sous maramba kolongo la bas militaire tout là tu vois pas que non nous sommes en train de tourner en rond. C'est à la justice de décider. Ce que justice a décidé à l'obi à un moment donné, même un mois plus tard, même 10 mois plus tard à l'obi non, il faut à entendre les sous topé à continuer instruction il y a un dossier naie. La justice est libre donc biso toza na confiance na justice oyo parce que ndenge mo konza mboka insisté à lobaki oui toyebi ki alobaki que justice na biso eza na mwa mbilinga nanu ekomi fiable topé ekomi kitoko à 100% mais les chefs de l'état a tié énergie na yenyonso na mayele na yenyonso pote justice na biso et comme na place où il faut ezala donc topé sa justice confiance ce qui tozongi na procès o eza en cours c'est à la justice de donner la dernière décision même les chefs de l'état lobaka yango loba depuis qu'il est au pouvoir ayebi mukolo mokote o atikala ko interférer na dossier judiciaire pour a influencer ba juge ba prononcer jugement songolo pakala à la faveur ya mutu songolo pakala donc indépendance wana eza garantie na justice mais ce que nous devons comprendre même bazuzi na biso
tout le monde va aller au salon dans le secteur judiciaire va comprendre que le développement du Congo est ça qu'a affaire à Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombote. Nous devons tous travailler, chacun dans le coin, pour qu'on tombe dans le cannabis. Ceux qui ont les lois à juge dans la haute cour militaire, par exemple, topé dans le tribunal militaire de garnison, ou bien dans l'instance judiciaire, nous sommes au Tokotanga, aux juges Kuna, aux responsables Moko Songolo Pakala, et que au séversé, naba bizaleli auto yali ko décrié auto oboya, oyo to bengi ba antivaleur. Mais tu vas léguer nini au côté que la nini naba future génération. Donc tous, il faut te prendre en considération na. Tozwa question wana na considération mingi na katso malobate kotala ba révélation oyo Marcel Malanga zosala ndenge nini bato baneko ya kokuta na papa nae. Est-ce que justice il faut interpeller encore bato wana oyo Marcel Malanga zo continue ko dénoncer. Il semblerait aussi ba kondi mususu ya renseignement, ils étaient aussi là dedans. Ndeko journaliste ngai en tant que Congolais, même bisonyo so ba congolais, souci na biso eza que la lumière soit faite na dossier ya coup d'état raté ya Christian Malanga et le fils Malanga Marcel lelo ayali kotanga batu oyo moyen ko tuto betali solo ezate et même des responsables, des hauts responsables na kati ya appareil ya sécurité na biso entre autres aner. Mais ceux qui batangi kombo na yo, il faut qu'ende ko répondre. Ceux qui se sentir qu'ils ont coupable, qu'ils ont innocent, qu'ils ont prouvé l'innocence devant ma instance judiciaire compétente et qu'ils ont relâché. Donc il n'y a pas des intouchables. C'est ça même l'objectif politique de Mokonzi Mboka. Pour que dans ces pays, tout le monde soit intouchable. Parce que ceux qui ont l'ingo tombe la Mboka, ceux qui ont l'ingo sala réellement, n'est-ce pas Mokonzi Mboka à l'obake. Azana posa a sala que justice et comme un bras séculier, il y a un véritable état de droit. Mais ce que l'on a réalisé, il faut que l'on ait un état d'âme. Mututu o akozala atangami, ozaloza ya demiap, ozaloza ya aner, ozaloza ya DGM, topé à la présidence de la République, oko kende ko comparaître. Et à la minute, oko prouvé innocence na yote, en tout cas, oko zoamba non na yo. Parce que trop c'est trop. Voilà. Trop c'est trop. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci à la bande de réunion surtout Balanda Ibiso. Je pense directement à Joël Guidon de Wazalendo. Je pense à Patrick Kipaloukou. Je pense au général Padira. Ça dit Bambote Bele Bele. Na ba Wazalendo. Nous sommes surtout basés à front. Bambote Ebele Ebele. Na ba FRDC. Nous sommes surtout basés à front. Vraiment Bambote Bele Bele. Que Dieu vous bénisse, ce qui est soit zongité, ce qui est bongo, mbala sima. Merci.